Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 5 de cette campagne avec les Brutis sur Homme Total War. J'avais fini la Macédoine à l'épisode 4, juste à la toute fin de l'épisode 4, j'avais pris Bilazora, dernière ville macédonienne. Et ma mission pour le Sénat, c'est de faire c'est de bloquer le port de Rhodes. Voilà. Et je pense que ça, c'est la dernière capitale, la Grecque capitale, si c'est la Grecque capitale, c'est-à-dire que Pergame est enlevée. D'ailleurs, on voit que le pont a pris la ville. Donc, il ne reste plus que 7 villes sous le contrôle, sous le joug, sous le joug grec. C'est un peu exagéré de dire ça comme ça, mais j'aime bien dire ça comme ça. Parfait. Bon. Commence à devenir expérimenté cette flotte. On va un peu la restaurer. Là, comme ça. Bien, maintenant je suis totalement libre. Oui, à la fin j'avais remarqué qu'il y avait des bâtiments sur lesquels j'avais pas ordonné de construction. Je suis tout à fait con, par exemple la Segestica, il n'y avait rien qui se construisait, j'ai décidé de faire des routes. Voilà, des petits trucs comme ça. Là je pourrais faire des routes en pierre au prochain tour, c'est bien. Faudrait que j'en finisse avec cette armée, moi, cette armée rebelle. Oui, 1,5, 14 763. J'ai hâte de devenir une grande ville. Comme ça, je pourrais recruter des cohortes de la République, des cohortes légionnaires, là, un truc comme ça. Dans l'épisode, à partir de l'épisode 7, il me semble que Sigirion arrive à les débloquer avec les Julies. Il a une ville qui a réussi à avoir à ses habitants. Il y a combien de... Oh putain, non, peut-être que ce sera celle-là en fait. 3,5% de croissance, 16 218 abonnés. Elle est bien partie pour réussir. Oh putain. Bon, maintenant que tout est dit, passons le tour. Surtout que j'ai réussi à en finir avec mes ennemis directs. On va essayer d'en profiter pour un peu se préparer à une future guerre. Si par exemple la population m'aime pas. Parce que y a quoi ici? C'est le temple des Déméter. Désolé mec. Et ça ne plaît pas. Sur le temple de Mercure. Juste après avoir fini les... Non. Je vais faire comme ça. Au tour suivant comme ça déjà, plus 5% de bonheur. Ça sera déjà bien. Voilà, bon petit départ. Alors faction la plus forte, c'est le pont. Ok. Rapport de construction. Ah, Salona, c'est terminé. Salona, je vais faire un port. Après, il faudra que je fasse les routes. Mais d'abord le port. Ça sera bien. Plus de commerce. Et à Thessalonique, ça c'est fait. La population est quand même un poil plus contente grâce au jeu. Je vais faire les voies. Accélérer, étant donné que c'est quand même un grand axe. Entre Apollonie et Thessalonique, quand j'aurai pris Byzance, ce sera génial. Ce sera un axe direct cette route. Très importante pour moi. Et War Thunder, ok. Rapport de recrutement. Princeps, Corinthe, Archer, parfait. Corinthe, j'ai continué à faire des archers étant donné que. Ils sont quand même pas mauvais les archers. Archer romain, 6-10. Waouh! 3 en armure, alors qu'ils ont 2. Ils sont pas très bons en défense, les Romains. Ça c'est quoi? C'est le mec. Faudrait que j'ai pas un espion. Où est-ce que je l'ai? Ah, il est là, mon agent. Je savais bien que j'avais un espion quelque part. On va aller voir ce qui se passe ici, chez les Thraces. Ça, parce que je pense que ce seront eux, mes principaux adversaires maintenant. On va écraser cette flotte. Comme ça, je peux directement faire le siège de la ville. En plus, ça permet de les évacuer un peu. Mais bon, faut que je me méfie de cette armée. Elle m'a déjà un peu agacé la dernière fois. Ici, parfait. On va prendre des troupes. Et on va y aller. Là, quand ça s'est reformé. Ici, 3 unités de Princeps, c'est bien. Je vais prendre quoi d'autre? Vous 3, et non, même vous 4 et même vous 5 là, hop, vous allez ici. On va
Non, en fait, on va se retrouver dans le port d'Athènes. La flotte, elle va se déplacer. Ici, ce sera plus direct, plus rapide pour déplacer les troupes. Et vous, vous commencez à vous déplacer aussi dans le port d'Athènes, dans le Pirée, comme ça que ça s'appelait à l'époque. Ici, c'est bon. J'ai un agent là. Je vais aller voir si je peux le corrompre. J'ai l'argent en masse alors. Autant profiter de cet argent. Peut-être que même je pourrais essayer de prendre le business. Prends une communauté, parfait. Qu'est-ce que j'ai reçu encore, je pense? À constater vos efforts pour Rome, vous en séguerez. Ok. Augmentation de la popularité auprès du peuple. Faction la plus attendue, c'est l'Egypte. Faction la plus riche, c'est Bibi. Ah, punaise. Alors là, jackpot. Hein. Oui, c'est vrai que j'ai reçu des chiens ici. Grand temple de Mercure. Non, je vais faire les égouts. Grande ville, faudrait pas que elle tombe en de mauvaises mains. On va faire le muraille de pierre. Apollonie. On va faire le champ de tir et on va reformer ses unités. Yeah, Bruti, Virio, merci. Asparte, j'ai fait ça, c'est parfait. Je vais faire les égouts aussi. Il faut que je fasse les écoles, enfin les écoles, les académies. Voilà, c'est ça, les académies. Bon, ici, je vais faire un bonus de croissance. Par sécurité, je vais d'abord faire les égouts et après, je vais faire le bonus de croissance. Par sécurité. Larissa, c'est fait. Athènes, c'est fait. Athènes, 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 Athènes. On va faire la mine. Après, il faudra faire les arènes. Kydonia. Kydonia, on va faire le port à Kydonia. C'était une ville importante. Et à Bilazora, le temple, l'hôtel Mercure est fait. Parfait. Et c'est à nouveau le mur qui est en train de se faire. Bien, Corinthe. Oui, c'est bon, j'ai compris. Vous, vous allez vous retrouver ici. Parfait. Membre de la famille, il a quel âge le bougre? 53 ans. Il est vieux. Lui, il a quel âge? 63 ans. Je pourrais bien prendre un mec. Je vais peut-être prendre le chef de faction. Oula, non. Non, non, je vais pas prendre le chef de faction. Ce serait une erreur. Ce serait une grave erreur de ma part. Bon bah l'armée finalement elle va y avoir il va y avoir que ça. Et toi tu vas débarquer. J'espère que la flotte sera assez forte pour tenir et ne pas tomber de mauvaises mains. J'espère. Passons le tour. Oui, il est vous toi. Oui toi. Corrompre. Tu marches? Bien, il marche. Parfait. Copain. Oui, et Julie bouge. Maintenant le pont, Germanie, truc, machin, bidule. Bien. Un général de 35 ans. Ça va, c'est pas trop vieux. Ici, il y en a un. Il va aller vers le sud, vers la Larissa. J'ai besoin de généraux. Toi, tu veux aller voir ce mec. J'aime pas comme ça. J'aime pas. Bon, vous. On va déplacer la flotte par là. Rebelle. Bien, un rapport fin de tour. Ok, faction plus riche. La Germanie encore. Ok, ça marche. Ça c'est bien, 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 bien. J'avais dit que je ferais les routes. Je vais faire les routes. Termon. Chantier naval. Parfait. On va faire quoi? L'ordre public n'est pas terrible. On va faire le grand temple Mercure. Segestica, les routes sont faites. Parfait, on va améliorer un poil les murs quand même. Ah, c'est bien ça. En plus, j'ai même pas fait tout le tour. Il y a des territoires que j'ai même pas découvert, entièrement mon propre territoire. Elle est pas mal celle-là. Bien.
Oh le con. Alors je parie que vous avez ragé comme vous avez dit. Putain, quel con ce mec! Oui, oui, c'est. Je suis con. Oh putain. Oh le débile. Nous deux. En fait, j'ai sélectionné qu'un seul mec, et là vous avez dû crier putain quel con, qu'est-ce que t'as fait encore comme connerie. Désolé. Putain, y'a que lui là. Ah ouais, la flotte elle a dû. Il devait y avoir le mec à l'intérieur. C'est ça, il y avait membre de la famille et trois unités à l'intérieur. Eh ben d'accord. On va essayer d'en finir tout de suite. Où est-il? Salut! Voilà, super! Vous arrêtez de me troller, s'il vous plaît, là! Ah, je sais pas où il est. Ce qui est bien dommage. Bon, pour... Ah, il est ici. J'ai pas une flotte dans le coin. Si, là, j'ai une flotte, mais elle a bougé avant. Ah, c'est dommage, je pourrais lui faire one shot. Je l'attaque une fois, elle est finie. Dommage. Passons le tour. Alors, allez vous faire foutre. Vraiment. Faut être con. Oh oui, je te prends. Tu as 16 ans en plus. C'est parfait. Bon, ce sera pour le prochain tour. Toi, t'attaques. Allez hop. Destruction de la flotte. Parfait. Les 4 unités sont fichues. Rapport de tour. Croissance d'un bourg. Apollonie. Bien, au prochain tour, d'accord. Vas-y, défonce-les tous. Ok. Bien. Croissance d'un tour. Faction la plus riche. Communauté officielle. Rapport de construction à Tarente. On va faire ça encore. Pour s'assurer. Égout. On va faire ça aussi. J'aimerais pas qu'il y ait la peste. Larissa. Aussi. Surtout pour cette ville. À 17 000, je veux pas qu'elle crève. Corinthe. Corinthe, Corinthe. On va faire les égouts à Corinthe. Athènes, mine. On va faire les égouts. Ça dépasse les 10 000 habitants. Ça commence à devenir une ville importante. Kydonia, le port est fait. On va faire la route, Kydonia. D'Athènes, il faudra que je le détruise ce temps. Ici. Le mur, c'est le mur. C'est le mur qui s'est fait terminer. Qu'est-ce que je peux faire là? Ok, bon, bah, on va faire la caserne de la Légion. Et ce sera. Bon. Cérémonie de mariage. Parfait. Bon, là, ici, il y a Cornelius Brutus qui va aller dans une ville où il n'y a pas de général. Ce sera bien mieux. On commence le siège de la ville. Continue le siège. Toi, tu restes ici. Elle, elle peut plus bouger. Toi, par contre, tu peux bouger. Et ce serait bien que t'en finisses avec cette flotte rebelle. Elle. Elle interfère dans ma Mare Nostrum. Un truc comme ça. Je crois que c'est comme ça que c'est qu'on dit. Ok. Ah là, il faudra que je prenne cette ville. Temple d'Éphèse. Le grand temple d'Artémis. Il est l'une des 7 merveilles du monde. Bien. Je vérifie un peu là si j'ai mes petits marteaux et scie sur toutes mes villes. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Oui, toi. Va me les corrompre. Bien. J'aimais pas ça. Une armée rebelle dans le coin, ça me plaisait pas. Maintenant il va aller essayer de corrompre Byzance. Ce serait bien que ça marche. Ouais bon, c'est des balèzes. Donc. C'est quoi? 14-12. Moi j'ai du combien? J'ai pas du 14-12.
On va faire un petit repli stratégique. Bon, toi tu te déplaces, tu veux... Non, toi... Parfait. Rapport de fin de tour. Comité officiel. Parfait. Croton. Le mur est terminé. On va faire quoi? On va faire... l'Agora. Pour augmenter la population. Apollonie. J'avais dit, je ferai le palais du gouverneur. Segestica. La ville s'est améliorée. Parfait. On va faire quoi? La mine. Thessalonique. J'ai fait les voies rapides. Oui, j'ai créé les voies rapides. 9000, on va faire ça, les égouts. Kidonia. Les routes de première catégorie sont faites. On va faire le marché. Bien. Reformation à Apollonie, général romain. Parfait. Bien. Maintenant, l'armée entière. Débarquer. On déconne pas, Coco, maintenant. Hein? 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 Hein qu'on déconne pas, là? Maintenant, on assiège entièrement la flotte. Parfait. Je regarde un peu. Bien. Bien, bien, bien. Ça marche bien, là, ici, là. Ma flotte commence à vraiment prendre le contrôle de toute la Méditerranée. Enfin, j'ai un peu fait le nettoyage avec toutes les flottes rebelles, grecques, macédoniennes qui me cassaient les noix, pour être poli. Mais vraiment, c'était vraiment casser les noix, là. Bon, ici... voilà quoi, il est tout seul, le mec. Victoire franche, hein. On va pas se casser la tête, hein. Bien, on va donc répartir la population. Et maintenant, j'ai le colosse de Rhodes. Alors, espion trouvé. Thessalonique, Thrace. Thrace. Pas gentil les Thraces. Pontus et le parti sont en guerre. Alors, Salona. Salona, Salona, les routes sont terminées. On va faire le marché. Thermon, le grand temple de Mercure est terminé. C'est bien. On va faire les voies rapides. Corinthe, ça fait les égouts. On va faire quoi, les Corinthe? On va faire les camps militaires. Corinthe, Athènes. Athènes, les égouts sont terminés. On va faire les mines. Parfait. Succès d'une mission du Sénat. L'unité, vous avez reçu dans votre capitale par des triarii. Parfait. Capture d'une merveille. Alors, le colosse de Rhodes. En capturant cette grande merveille, nos troupes ont accompli un haut fait digne des plus grands héros de Rome. Le colosse augmente le commerce sur mer de 40%. C'est bon, là, c'est la fortune assurée. Le colosse de Rhodes est une statue géante représentant le dieu du soleil Hélios, debout à l'entrée du port de Mandraki sur l'île de Rhodes. Le peuple de Rhodes s'arrangea pour financer la construction de cette statue colossale en vendant des équipements abandonnés lors du siège avorté de leur ville, la Macédoine. S'élevant à plus de 30 mètres de haut, le colosse est une création du sculpteur Charès de Lindos. La construction dura 12 ans et les travaux s'achevèrent en 282 avant Jésus-Christ. La statue aurait été détruite en 226 avant Jésus-Christ lors d'un tremblement de terre. Les visiteurs se pressent toujours pour en admirer les débris. Après la chute de la statue, Pline aurait écrit « Rares sont ceux qui peuvent faire le tour de son pouce avec leurs bras ». C'est une statue d'une taille vraiment inconsidérable. La statue n'a jamais été reconstruite car un oracle aurait interdit tout travail de restauration. Putain, qu'est-ce qu'il est balèze ce truc. Destruction, les Grecs sont éliminés. J'ai éliminé mes deux plus grands adversaires du début de la campagne. Et je m'assure peu à peu un contrôle intégral de la mer Égée. Et ça, c'est parfait. C'est vous. J'aime pas. Bien. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire comme bâtiment? Déjà, on va tout réparer. Et je peux rien faire. C'est la joie. 5% de croissance. Eh ben, dis donc. Pas mal, 5% de croissance. Et à Larissa, c'en est où? 18 000. Eh ben, disons, ça augmente vite, hein. On a combien de temps, j'en serai à la fin de la vidéo. Les Julie vont voir chez les Germains.
J'accepte. J'étais en manque de mec là. Censeur consul pour Vibrus Brutus. À 62 ans. C'est bien, ici le Cursus Honorum. Parfait. Et censeur pour Aulus, pour le chef de faction, encore une fois. Il a le droit à un nouveau truc de censeur. Le Sénat a constaté vos efforts et vous en sait plein gré. Et vous prie d'accepter cette récompense avec toute gratitude. Rapport de construction. Tarentum. On va faire le grand temple de Mercure. À Sparte, les bains publics sont terminés. On va faire le forum. La population augmente beaucoup à Sparte. Larissa. Larissa, on va faire le forum aussi. Thessalonique, les égouts sont terminés. On va faire les mines. Kydonia, le marchand est fait. Et à Rhodes, c'est la finie, c'était la reconstruction, pure et simple. On va faire le baraquement. Ça, je pourrais faire des gardes civils et après, je pourrais ainsi évacuer l'armée qui se trouve ici. Ça fait quand même pas mal de troupes pour une petite ville, pour une petite île. Con Marcellus, ok. Je voudrais voir à qui appartient la ville qui se trouve par là. Si c'est un territoire de l'Egypte, auquel cas j'attaquerai pas, ou si c'est un truc rebelle, et au cas où je voudrais bien avoir un pied à terre pour bloquer les skippies qui s'approchent un peu trop près à mon goût de l'Egypte. Personnellement. Bon, toi, tu vas essayer de me combler Byzance. Il n'y a personne à l'intérieur. Ah, notre teneur, non, ne veut pas, ne vole pas. D'accord, c'est compris. Ici, il y a une ville quelque part, juste là. Je le sais, je le sais. Bien. Je vais mettre ma flotte ici, la réparer. Là, je vais reformer ma flotte et même en recruter un nouveau navire. Ici, ça va. Je voudrais peut-être peu à peu voir ce qui se passe dans le coin. Maintenant que j'ai fini presque tout ce qui se passe par là, maintenant le pont, je pense, le pont ou la trace. Je ne sais pas encore qui sera mon premier adversaire. 17 ans, je prends. Destruction d'une faction, l'Arménie est détruite par le pont, j'imagine. Ou par la partie, ou par les sites aussi. Demande choix. Communauté officielle. Ok. Apollonie, palais du gouverneur. Bien. Apollonie, on va faire quoi? On va faire les voies rapides. C'est une ville clé pour moi. Ici, on va faire le temple de Mercure à nouveau. Et à Bilazora, la caserne de la Légion a été faite, réalisée, finie. On va faire quoi? Le champ de tir à l'arc. Ce sera parfait. Rapport de recrutement. Ok. Trirem. Réparation. Bien, oui, un truc. Le Sénat. Je n'ai pas de Sénat de mission. Ouh, putain, pour le Sénat, 8 sur 10. Je suis à 5 sur 10, je suis meilleur pour les deux là. Vous êtes maintenant l'un des soucis principaux des rares sénateurs mal dans leur peau. Il faut bien le dire, un peu dérangés qui se sentent menacés par la population détruite. Ceci jalouse votre charme et vos exploits. Foiré. Quels enfoirés. Je me bats pour Rome. Oui, en fait, je me bats surtout pour moi, mais... Ils le savent pas encore. Oui, toi, flotte. Ah, rebelle. Intéressant. Très intéressant, dites-moi. Toi. Je vais prendre des troupes, moi. Je vais en laisser, mais je vais en prendre aussi. Vous irez me faire un petit débarquement pour prendre Sirène au prochain tour. Ce sera bien pour moi. Surtout. Exclusivement. Intégralement. Bien. Oui, mon mec. Tilly, c'est la capitale, ils voudront jamais. Ah, Byzas, tiens donc. Tiens donc, Byzas. Je rigole parce que j'ai un pote qui s'appelle Byzas. Enfin, son surnom, c'est Byzas. C'est pour ça. C'est pour ça que je rigole. Putain, je suis riche.
Je suis riche. Un road, je peux rien construire. Un recrutement, sera presque que dalle. Je vais faire un peu de garde civile. Le fun. C'est tout. Bien. Là, en fait, je fais que l'économie. J'améliore que les villes. Parce qu'après, ce sera parfait. Je veux avoir le plus de bâtiments. Kidonia. Putain. Trois généraux à Kidonia. C'est trop, ça. J'en prends un au passage. Au passage, allez hop. Petite escale, les mecs. Par contre, toi, tu vas ici. Tu vas en prendre un pour le mettre à Rhodes, tiens. Tu vas aller à Rhodes. Ce sera parfait. Auprès du peuple. Oh zut. Quelle tristesse. Qu'est-ce que j'ai terminé en fait? Le forum, d'accord. Eh ben on va faire le grand forum. Salona, le marché. C'est bien. On va faire quoi? On va faire le baraquement milicien. Athènes. Les mines sont terminées. On va faire le forum. Et à Kidonia, baraquement, on va faire un truc qui dure pas très longtemps. On va faire le défrichement. Rapport de recrutement, civil road, machin, bidule. Bien, 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 parfait. J'en sens ni où à Larissa là. 19 000. Ah, à peu près encore à peu près 6000 habitants. Je vais faire des... Je vais accélérer tout ça là-bas. Évolution d'une ville, Sparte. Sparte évolue. Dans un tour, je te ferai des trucs à Sparte. Communauté officielle. Tarente, le grand temple de Mercure, a été terminé. On va faire leur rotation des cultures. Après, on fera l'académie. Ici, on va faire... Bah tiens, on va faire directement l'académie là. Segestica. On va faire la forgeron, le forgeron, le forgeron, le forgeron. Et à Thessalonique, la mine, c'est terminé. On va faire le batteur d'armure. Parfait. Recrutement terminé à Rhodes. Donc oui, je disais, ici, on va recruter des pauvres paysans. On va se faire plein de paysans dans toutes les villes aux alentours. Pour pouvoir ainsi accélérer la croissance de population à Larissa. Déjà que les impôts sont bas, avec ça sera bien, faudra que je fasse le grand temple de Mercure, ou peut-être le mur même. Bon. Trace rebelle, parfait. Toi, tu me fais un petit débarquement, tout mignon, tout beau. Oh. Hop. J'ai une siège, qu'est-ce que je peux recruter? Pff, rien du tout. Sans intérêt. Y'a quoi ici? Des tirailleurs et deux mini-soplites. C'est bon, coucou Raoul. Je vais te les faire, moi. Swoog, Glass, Carly, ouais, y'avait Chlor et Glass for Mini Years. Ouais, je m'en vais rien faire. Sparte, on va faire le palais du proconsul. Larissa. J'avais dit le grand temple de Mercure. Pour que l'ordre public augmente un peu. Kidonia, ça c'est fait. On va faire le marché. Et on avait dit qu'un général irait là pour aller après ici. Pour aller à Rhodes. Rapport de recrutement. Bien. Donc. Ici. Je l'avais pas fait. Parce que voilà. Il y a un général à Athènes? Non, il n'y en a pas. Ben, tiens toi. Athènes. Je suis con. C'est pas là que je voulais que t'ailles, c'est là-bas. Est-ce que j'ai fait une connerie encore? Bien. Vous deux. Ça fait déjà plus 500 d'habitants à Larissa. On en est à combien? 21 124. Parfait. Je pourrais faire le palais de je sais plus quoi. La ville sera améliorée et j'aurai la réforme de Marius. J'en suis à combien là? 30 minutes.
Putain, il n'y a pas eu de bataille là. On va dire que je suis pas en guerre. C'est seulement pour pouvoir améliorer mes troupes avant la guerre en fait. En gros, c'est ça. Bien, comme ça j'aurai un pied à terre en Afrique. Et ça, c'est pas un mal. L'Egypte a ce territoire, le grand territoire, c'est normal quoi. Évolution d'une ville, Tarente. Tarente évolue. Bref, on fera le palais du proconsul quand on pourra. Communiquer pour aéroport de construction. Apollonie, les voies c'est terminé, parfait. Apollonie, 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 on va faire caserne de la Légion. Salona, baraquement de miliciens, on va faire les mines. Corinthe, camp militaire, terminé. Tire à la catapulte, non, pas envie de faire le tir à la catapulte. Hippodrome, ça pour faire les équites, cavalerie auxiliaire, cochon incendiaire. Faut ça sert le cochon incendiaire. Je vous le demande, on va faire le forum. Corinthe, Bilazora, chante le camp de tir à l'arc. On va faire le temple de Mercure amélioré. Parfait. Et ça, c'est le rapport de recrutement. Oula, je vais améliorer de 1000 la population à Larissa. Même 1500 avec les 500 autres péons qui sont ici. Allez hop, on enlève la population. Allez hop, cassez-vous. 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 On en est à combien? 22881. A la fin de l'épisode, j'ordonne l'ordre d'améliorer la ville. Ce sera bien. Putain, qu'est-ce que je suis riche, qu'est-ce que je suis riche, qu'est-ce que je suis riche. Victoire franche, ça sert à rien que je fasse ces batailles, là je suis sûr de les gagner. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bataille, là je me bats contre que des petits rebelles à la noix. Parfait. Extension de suite. Extension de suite, ok. Bon, ici réparer. Et on va faire la route. C'est quoi le temple hein? Athéna. Destruction. À la place de la route, on va d'abord faire le temple de Mercure. Ça, le peuple sera à ma botte. Ah, c'est les Égyptiens qui sont là. Mais bon, j'ai maintenant mon pied à terre en Afrique. Et ça, c'est parfait. Bien, bien, bien. Où est? Ah, il est là. Que je peux te corrompre. Parfait. On va recruter des estatis. Construction. Forgeron. C'est quoi ton temple? Temple d'Arès. Sur le temple de Mercure. Ça, j'ai déjà un territoire bien établi là. Oh, que j'envoie des troupes Fissa. Armée. Vous allez directement là-bas. Oula, vous, j'aime pas avoir des mecs comme ça là. Face à moi. On va améliorer un peu l'armée d'ailleurs. Prochain tour, normalement, je devrais pouvoir passer. J'espère en tout cas. Mais au moins j'ai pu dépenser mon argent pour agrandir mon territoire de manière facile. Roi de commerce, parfait. Étant donné que mon territoire est directement relié à l'Egypte, ce sera pas trop mal. Est-ce que les Thraces vont me déclarer la guerre? Non, ils se cassent. Émeute à Porolissum. Il me semble que c'est machin. Rapport de recrutement, ok, paysan, tout ça. Termon. Termon, Termon, Termon. On va faire le caserne de la Légion. Là aussi, c'est Gestica. Faire les égouts. Reformer. Bien. Athènes, le forum est terminé. On va faire l'arène. Athènes, sirène, hôtel Mercure. On va faire la route. Pour Lissom, hôtel Mercure. On va faire ça, améliorer. Reformer.
j'avais un général dans le coin. Il a dû mourir. Dommage. Je crois pourtant juré qu'il y avait un général dans le coin. Toi, tu peux pas aller le corrompre. Ah non, c'est un gros. C'est Bizos, c'est Brizos. Oh le con, putain. Bon, avec le temple déjà ça va un poil mieux quand même. Parfait. Oui. J'allais oublier ça. Armée. Toi, tu continues. Là. Toi aussi. Toi, tu vas aussi. Et là, moi, l'armée. On défait. On défait aussi. On défait. On arrive à quoi? Au prochain tour, j'augmente la ville. Fin de la population. Et j'aurai la réforme de Marius. Ce qui sera parfait, je dois dire. Carthage est toujours là. En embêtant pour eux. La city, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ok, alliance infogéographique. Wow, putain, ils ont un beau petit territoire, et donc c'est pas l'Arménie qui a été détruite par... Enfin, c'est pas les Scythes qui ont détruit l'Arménie. Là, j'ai un deuxième territoire. Ah, j'aime pas avoir une armée neutre ici, qui me bloque le passage à chaque fois. C'est assez agaçant, hein. J'hallucine. Communiqué officiel, croissance d'une ville. Oh yeah! Palais impérial. Normalement, avec ça, dans 6 tours, donc à l'épisode 6, j'aurai la réforme de Marius. Ce qui sera parfait. Rapport de construction, Tarente. Tarente, Tarente, j'ai dit que je ferai le palais du proconsul. Larissa, je viens de le faire. Thessalonique, on va faire la rotation des cultures. Bien. Kidonia, le marché, c'est fait. On va faire la route. Bilazora, temple de Mercure. On va faire le grand temple de Mercure. On va pouvoir faire la voie rapide. Sirène, route, on va faire la voie de défrichement. J'allais dire rotation des cultures, mais... Bien. J'ai à nouveau du fond. Possible tout ça. Toi, tu pourrais pas corrompre ce mec. Bien. Donc toi, t'accélères un peu le trajet là. Et corrompre tous les mecs qui empêchent mes troupes de passer. Je déteste ça. Mais cette ville pour Olysum, ça me met un bon pied à terre pour attaquer la Dacie et les traces, mais surtout les traces. Ça, je serais pas bloqué à un passage. Oui, j'accepte. Toi, tu vas directement. Bien. C'est qui ici là? Membre de la famille. Non, je suis là. C'est pas une perte. Cérémonie de mariage. Parfait. Rapport de recrutement. Rapport de construction. Et après on va s'arrêter là pour l'épisode 6, petit épisode 6. Donc si c'est pas l'épisode le plus court que je fais, bon, depuis c'est le début de la série. Comme moi. On va faire le mur en bois. C'est Gestica. On va faire le défrichement. Le général pas. Ici, reformer. On reforme. On va faire l'arsenal. Pour Olysum, temple de Mercure. Bien, la population est déjà un poil plus contente de me voir. Et c'est compliqué à faire. Rapport fin de tour, évolution de ville Athènes. Athènes évolue. Parfait.
grand pontife Kids. Bien. Thessalonique, la population est pas très contente. Oh, je pourrais débouler des torpilles. Et bon. Pas mal. On va faire quoi? Bien, 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 bien. Il y a le port ici, c'est le port d'Alexandrie. Parfait. Donc d'ici 5 tours, j'aurai la réforme de Marius. Ce sera parfait. Donc, parfait ça. Bon ben voilà. Le territoire s'agrandit un peu, j'ai pris Porolissum, Rod et Sirène, ce qui fait plus 3 territoires, et pourtant j'ai pas fait une seule bataille dans cet épisode, parce que je suis en guerre, eh bien contre personne en fait, à part contre les mecs là, c'est méchant pas beau, ils sont en guerre contre la Numidie, Carthage et tout le bazar, pas moi, et ouais. Parfait, donc si on m'avait demandé à faire un truc, je vais le faire, c'est le Togelfo ici, on m'a demandé... Je pourrais en faire un. Donc voilà le territoire, l'Arménie, c'est bien le pont qu'il a défoncé entièrement. La partie, comme d'habitude, ils sont un peu massacrés. Il ne reste plus qu'une armée géante menée par l'héritier de faction. La city est quand même pas mal. Ici, les Britons, ils ont commencé à débarquer sur le continent. Ils ont toujours pas pris cette ville. Ça me fait toujours rire ça. Donc il reste encore pas mal de territoires gaulins, hein. Conda, Thalesia, Lemenum et l'autre ville ici en Espagne, Numance. Ici, ben, les Espagnols ont viré entièrement, ils ont pris Cartagena et Cordoba, il me semble que ces deux villes sont carthaginois. Cartagena, j'en suis quasiment sûr. Il reste plus que Carthage à Carthage. Et on peut voir que la Numidie reste 3 territoires, les Scipi, ils sont là. Mais moi j'ai pris Sirène. Ça c'est parfait. Lepsismania. Oh, j'hallucine. Oh putain. Oh. Eh ben. Ce serait une occasion en or de prendre. Alexandrie. Faut que j'essaye. Je vais prendre une armée. Non, on va peut-être attendre la réforme de Marius, recruter une nouvelle armée ultra moderne, avec le top du top de ce que je peux recruter, et j'attaque cette ville. J'attaque Alexandrie. Ça devrait le faire. Largement. Après, on peut voir que Byzance a rien dedans, ici ils ont rien. En fait, ils ont quand même pas mal de troupes, hein. Mais il leur reste plus que 3 villes. J'aurais pris la quatrième. Ils ont perdu un quart de leur territoire. Mais bon, eux, ils me font un peu peur, je dois dire. Un peu beaucoup, même. Mais bon, voilà, c'est tout. Il reste 3 territoires audaces. Peut-être une occasion d'aller se les farcir avec mon mec, avec mon gars, ou prendre une armée et de marcher sur Akunson, Campus Lazig et Lavosis. Une occasion en or. Là, on peut voir que j'ai vraiment de grandes occasions de pouvoir m'agrandir militairement et de déclarer la guerre à aux traces et aux das avant d'aller attaquer le pont. On va voir ça au prochain épisode, à l'épisode 6. Allez, salut les gens!